وشقا ما ثض صدق نكلا غيس نبريديس أبريديس وشقا وشقا ما تهلك ضيب ولي ويوسع وخميس وخميس Alors, ça c'est une ligne de traces. Mais en plus de cela, Abban avait, et tous les chefs kabyles, ça je l'ai répété en lien, Abban avait une vision absolutisée de la révolution. C'est-à-dire, la révolution était placée au-dessus de tout. Il a sacralisé la révolution, et une deuxième chose, et l'unité nationale. Et quand on a cette vision sans nuance de l'unité et de la révolution, on peut être amené à prendre des décisions sans nuance. Voilà un peu la personnalité d'Abban. Et tout cela va le mettre en position antagonique, en position porte-à-faux, même si je peux prononcer le mot, par rapport à notamment les militaires et également les membres de la délégation extérieure, dont le principal, celui qui est la tête d'affiche de la délégation extérieure, puisque les Égyptiens l'ont, j'allais dire, autoproclamé, il s'est autoproclamé avec l'aide des Égyptiens, c'est Ben Abdallah. Et donc, il va y avoir une situation de crise, d'affrontement entre la direction intérieure incarnée par Abban et la délégation extérieure incarnée par Ben Blanc. Alors, si on voit du côté de Ben Blanc, Abban lui reprochait essentiellement une chose, c'est de ne pas avoir approvisionné les maquis de l'intérieur en Inde, mission pour laquelle il avait été désigné. Si on voit du côté de la délégation extérieure, on reprochait à Abban d'avoir pris la décision de nommer Lamine Barine comme chef de la délégation extérieure. Pour coiffer Ben Billah, Khaitar, Ed Hamad et Boudia. Et donc ça n'allait pas arranger les choses. Ça c'est donc, sur le plan objectif, problème des armes. Je peux vous avouer, je l'ai dit à répéter en lien, que pendant longtemps je pensais qu'Abban utilisait la question des armes comme une espèce de tactique, de stratégie pour amoindrir le rôle de Ben Bella dans la délégation extérieure. C'est-à-dire, tu as envoyé chercher des armes, tu n'as pas été fichu de nous ramener des armes. Mais plus j'avançais dans mes lectures et dans mes recherches, et plus, je constatais en fait que la question des armes était une question hautement stratégique pour Abban, pour Zirout, pour Krim, pour Mepini. Au point où Abban arrive en août 1957 au Caire, il se retrouve face à face à Fethi Dib, il a commencé à engueuler Fethi Dib. C'est pas vrai qu'il dit sur Fethi Dib dans son livre. Il dit Abban commençait à élever la voix, il m'a fait des reproches sur l'insuffisance d'approvisionnement en armes. Je ne me suis pas laissé intimider et je lui ai sorti tous les bons d'achat d'armes qui ont été transférés vers le. Et effectivement, les Égyptiens, ils ont envoyé des armes. Le problème, c'est que les armes que Ben Bella était chargé de distribuer au maquis d'intérieur, il les confiait à Mahsas, qui était nommé en Libye, et Mahsas les répartissait en fonction de ses clientèles, c'est-à-dire ceux qui étaient. Qui étaient plutôt proches de Ben Bella et de Hassas et qu'ils vont utiliser pour contester les décisions du Congrès national. Donc, question des armes. Deuxième problème entre Abban et Ben Bella. C'est le Congrès national. Le Congrès national, c'est. Je crois que c'est le. Vrai, la question d'achoppement entre la paire d'achoppement entre la délégation extérieure et la délégation intérieure. Alors, que s'est-il passé? Donc, Abban, dès 1955, dès le mois de décembre 1955, il écrivait aux délégués extérieurs. Il écrivait aussi, il a avisé Zirout, etc., en leur disant que c'est le moment de réunir tous les chefs de la résistance algérienne et de constituer d'abord une direction, parce que
Si vous vous rappelez la proclamation de novembre, elle était signée le secrétariat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tête d'affiche, il n'y avait pas de mouvement. C'était un mouvement totalement anonyme. Or, comme Abel nous disait, la révolution a grandi, et comme elle a grandi, il faut lui donner une identité. C'est pour ça qu'il voulait que la révolution ait ce qu'on appelle un pavillon, qu'elle soit identifiée. Qu'est-ce que c'est que cette révolution? Parce que le peuple algérien sortait comme un véritable champignon atomique dans l'univers médiatique et politique universel. Il fallait lui donner une carte d'identité, c'est avec un pouvoir, avec des institutions. Donc il fallait se réunir. Et également lui donner une doctrine. La doctrine, vous savez que la plateforme du 1er novembre, moi je l'ai appelé dans ce livre-là un maigre viatique politique. C'est-à-dire, les hommes de novembre, ils ont commencé par dire à vous qui êtes appelés à nous juger. C'est-à-dire, en fait, timidement, ils ont fait leur coming out, comme on dit, pour reprendre un terme moderne. À vous qui êtes appelés à nous juger, c'est-à-dire aux militants de la cause nationale, le congrès de la Soumam, il s'adresse, ça y est, l'Algérie est constituée dans la lutte, le congrès de la Soumam s'adresse à l'univers, c'est-à-dire au monde entier, et c'est une véritable opération de séduction d'opinion internationale. Alors, donc ce congrès de la Soumam, qu'est-ce qui va choper entre Abel et Ibn Blah deux principes essentiels. Le premier principe, c'est la primauté du politique sur le militaire. Alors ceux qui sont politiques, ils acceptent la primauté du politique sur le militaire. Ben Bella qui se considérait comme un politique, il a dit la primauté du politique, je prends. Mais le deuxième principe, il ne prend pas. Primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Et que quand je l'ai rencontré, donc il y a pas. Donc j'en parle beaucoup dans le deuxième livre. Donc il n'y avait pas. Un an après la critique de Café sur la peine, donc je l'ai vu, je raconte un peu les circonstances dans lesquelles j'ai été amené à le voir. Donc il m'a tenu un discours extrêmement élogieux sur la peine. J'étais étonné, mais comme je savais qu'il avait un discours à géométrie variable, comme je l'ai appelé, donc il m'a tenu un discours très élogieux. Il m'a dit le seul problème que j'avais avec Abel, c'était la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Il a dit, moi, la révolution m'a désigné à l'extérieur, j'ai accompli mon travail à l'extérieur. Et lui, il voulait que ce soit, il lui donnait la primauté aux gens de l'intérieur. Mais, je vous le rappelle, ça vous le savez sans doute, le principe de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur n'a pas été décidé par Abel, ni par le Congrès national, il a été décidé le 24 octobre 1954, c'est-à-dire une semaine avant le déclenchement. Avant le 1er novembre. Ce qui était les six qui se sont réunis, ils étaient en posture de révolutionnaire de l'intérieur, un peu antagonique vis-à-vis de la délégation extérieure constituée de Belah, Hedar et Ahmed qui étaient au Caire. Donc ils ont dit ceux qui doivent mener la révolution, ceux qui sont à l'intérieur. Et Boudiaf, à cette époque-là, était à l'intérieur. 1er novembre, Boudiaf s'en va, il emmène la proclamation du 1er novembre, il va au Caire. Il fait partie de la délégation extérieure et 5 restent à l'intérieur. Vous savez ce qui s'est passé, la prison pour les uns, la mort pour d'autres. Et à peine quand il arrive en 1955, début mars 1955, après deux mois après sa sortie de prison, première chose qu'il fait, il envoie Yasser Saadi en Suisse. Et pour rencontrer Boudiaf, il lui dit, tu diras à Boudiaf, est-ce qu'il est toujours d'accord sur la primauté de l'intérieur sur l'extérieur? Qui doit avoir la prééminence pour la prise de décision concernant la révolution? Boudiaf renvoie sa dite, il lui dit, tu diras à Ben, la primauté de l'intérieur sur l'extérieur est maintenue, ce sont les gens de l'intérieur qui doivent mener la révolution, nous on va servir d'appoint. Et c'est comme ça qu'Abel, qui était un dirigeant à part entière, ça on peut revenir sur cet aspect-là dans le débat, il prend sur lui, comme je vous le disais tout à l'heure, de nommer Lamine Barine comme responsable de la délégation extérieure. Voici donc les deux principes de Soumamien. On peut revenir sur la primauté du politique sur le militaire. Quelqu'un m'a posé la question hier en me disant, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs
Moi, je suis le premier à reconnaître que les Soumamiens, et Abban en particulier, ont commis ce qu'on peut appeler aujourd'hui une erreur de communication. Quand on dit primauté du politique sur le militaire, il aurait fallu étayer ça. Abban l'a fait, mais une année plus tard, à la session du CNRA de août 1957, au calme, c'était trop tard. Il aurait fallu dire, il aurait fallu expliquer que ce n'est pas la primauté des politiques sur les militaires, que c'est la primauté de la raison politique sur la violence gratuite. Parce qu'en fait, ce principe de primauté du politique sur le militaire, il faut le remettre aussi dans son contexte. Ah, c'était après le 20 août 55. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 août 55? Zirout et ses amis, dont Kafi, dont Bantoban, ils ont organisé un soulèvement avec le Chab, avec le peuple, avec des armes, des haches, des pioches, des couteaux. Ils sont allés s'attaquer à des casernes, à des gendarmeries, mais il y a eu des excès. Les excès, ils se sont attaqués à des centres de colonisation, à des enfants et à des femmes. Il y a eu des choses atroces qui se sont déroulées. Et Abban a été choqué. À l'époque, il avait dit, une révolution digne de ce nom ne s'attaque ni aux femmes ni aux enfants. Mais bien sûr, après Abban, il a rectifié, puisque il y a eu 12 000 morts. La répression, c'était 12 000. Donc, quand il y a eu ce massacre-là, le problème de la manière d'exercer la violence dans la révolution s'est posé. Comment tuer les Français? Comment faire des pressions, de la violence sur les Français pour les amener à négocier et à partir? Comment? Est-ce qu'il faut tuer indistinctement? Est-ce qu'il faut faire tuer de manière ciblée? Et le terrorisme, ce qu'on appelle le terrorisme, a toujours été ciblé jusqu'à l'attentat d'août 1956 à la Casbah, où les ultras se sont attaqués de manière indistincte aux femmes, aux enfants et aux vieillards. Alors le FLN, Abban et Mehdi, au bureau de la Soumam, ils ont dit, eh bien nous, aussi, on attaque. Et c'est comme ça que le réseau bombe de Yesfadi a été constitué. On a posé des bombes dans les stades, dans les autobus, il y a eu des femmes, des enfants, etc. Et quand Cholet pose la question à Abban, il lui dit, mais c'est... Parce qu'ils étaient ensemble, c'est pas Cholet, si vous voulez, c'est pas son confident, ni son collaborateur, il dormait chez lui. Et alors il dit, M. Abban, est-ce qu'il ne pensait pas que... C'est terrible de s'attaquer aux enfants, aux femmes, il dit, mais c'est pas nous qui avons commencé. C'est eux qui ont commencé. Et donc c'est devenu, comme le dirait Fanon, c'est la violence de légitime défense. Et car Fanon dit dans les années de la Terre, il dit, l'Europe a planté ses griffes sur nos continents et ne les retirera que si on lui coupe la main. En fait, il a pris ça chez Abban. Abban disait, France s'était touché à l'Isle de Sontenot, ou Tsksalamanisme Sérodanis. Donc, il y avait, chez Abban, il y avait cette notion de violence. Ils sont rentrés par la force, il faut qu'ils sortent par la force. Donc, mais cette violence chez Abban a été graduelle. C'est graduelle puisque début 56, quand Camus, pour rappeler un peu l'initiative de Camus, la traite civile, Camus a dit il faut qu'on s'entende avec les gens des nationalistes algériens pour que les civils soient épargnés. Mais Abban était d'accord. Il a envoyé des gens du FLN, il leur dit on est d'accord, il faut faire en sorte que les civils soient épargnés. Par la suite, la bataille d'Alger, Abban était d'accord pour le réseau bombe, pour qu'il y ait des bombes, pour rendre coup pour coup. Plus encore, Abban, quand il nomme le Djewi en France, il lui dit, tu vas aller en France. Il nomme aussi Rabah Bouaziz, pour ce qu'on appelle la spéciale, les commandos. Il lui dit, vous rendrez coup pour coup. Chaque fois qu'il y aura des méfaits du colonialisme chez nous, où les femmes et les enfants sont touchés, je veux voir du sang à la une de tous les jours.